الزول في اللون السيد الأمين العام ممثلا عن السيد الوالي والوفد المرافق له السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد وسيط الجمهورية السادة النواب والمنتخبين المحليين السادة قادة السلطات الأمنية والعسكرية والمدنية شهيد عيسى تيدير رحمه الله وعرفانا وتقديرا ووفاء لرجال أخلصوا من بعدهم وما بدلوا تبديلا حفاظا على الدولة الجزائرية والوحدة الوطنية يتقدمهم الشهيد عبد الحق بن حمود رحمه الله فهنيئا لنا ولكم هذه الوقفة النبيلة والمشاركة المعبرة. تفضل الشيخ رشيد بتلاوة الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رحم الله الشهداء الأبرار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم طيب ثراهم وأكرم مثواهم وأسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظ وطننا المفدى من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعل وطننا الجزائر آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا عزيز يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يسدوكل عبدان رمضان وك يمدوكليس بدان دي لي ستوديون algérien en juillet 55 on bat l'union générale des commerçants algériens on bat il savent l'ermim il qanna même les responsables des formations politiques déclaration du 24 février 2023. Chers frères, chères sœurs, c'est un immense honneur de nous adresser à vous en cette date historique du 24 février, commémorant le double anniversaire, le 60e anniversaire de la création de l'UGTA et le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. L'Algérie, son peuple, ses travailleurs, célèbrent le 24 février, une date de symbole pour la dignité et l'indépendance économique par la création le 24 février 1956 de l'UGTA par le feu et cette idée et le recouvrement total de l'indépendance avec la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971. Une date qui ne devrait nullement être banalisée, si bien que cette journée du 24 février doit être à chaque occasion ravivée et attisée dans l'âme et le cœur de tous les Algériens et tous les Algériens, une date que tous les travailleurs de la wilaya de Tizi Ouzou ont de tout temps marqué d'une pierre blanche et à l'encre indélébile. Une fois de plus, ils ne manqueront pas ce rendez-vous de l'histoire contemporaine du pays. Un rendez-vous au cours duquel ils exprimeront haut et fort leur attachement aux idéaux des martyrs dont Aïssat Idir, Abdelhak Ben Hamouda et leurs compagnons et tous les travailleurs morts pour le recouvrement de la dignité et la souveraineté de tous les Algériens. En cette occasion, l'UGTA de Tizi Ouzou saisit cette opportunité pour s'incliner devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux tombés en martyr pour que vive l'Algérie indépendante. L'Algérie démocrate, l'Algérie de démocratie, de liberté, de justice sociale. Chers frères, chères sœurs, plusieurs rencontres ont été des dirigeants de la Commission centrale ouvrière, constitué au sein du Parti du peuple algérien PPA à partir de 1947, et Badr avec des syndicalistes de la première heure, vont conduire à la création de l'Union générale des travailleurs algériens UGTA. Le 24 février 1956, naissait l'UGTA, dont Aïssat Idir fut naturellement désigné par ses camarades secrétaire général. L'UGTA avait la charge de mobiliser les travailleurs pour lutter contre le colonialisme et son injustice dans le cadre de la lutte de libération nationale. Conscient de l'importance de la mission dont il est investi, il propulse et consolide la base de l'UGTA avec l'adhésion de plus de 100 000 travailleurs dès l'année 1956. La même année verra l'apparition du premier numéro du journal L'Ouvrier Algérien. Le FNL salue la création de l'UGTA comme l'expression d'une saine réaction des travailleurs contre l'influence paralysante des dirigeants de la CGT, de FO et de la CFTC. La naissance et le développement de l'UGTA a eu en effet un puissant retentissement. L'UGTA est le reflet de la profonde transformation qui s'est produite dans le mouvement ouvrier, surtout après le bouleversement révolutionnaire provoqué par la lutte pour l'indépendance. L'action syndicale, maintenue longtemps dans le cadre étroit des revendications économiques et sociales, isolées de la perspective générale, était devenue un instrument majeur dans la lutte anticolonialiste et un accélérateur dans le combat purificateur pour la liberté et la justice sociale. L'UGTA, à sa tête, Aïssat Idir, joue un rôle important et prépondérant dans l'organisation de la classe laborieuse algérienne et le resserrement de ses rangs au service des objectifs de la révolution. Ce rôle s'est accru et consolidé suite au congrès de la Soumam, où Aïssat Idir fut élu membre du Conseil de la Révolution.
qui avait débouché sur une vision prospective de l'UGTA et le rôle qui lui est dévolu dans la lutte et le développement. C'est au sein de l'immigration que le rôle de la classe laborieuse algérienne a émergé, notamment en France, où les travailleurs algériens contribuèrent de manière efficiente au soutien de la révolution à travers les cotisations financières collectées par les sections de la fédération du FLN implantées dans les différentes villes de France. De là, une vague de répression coloniale sans précédent s'abat sur les dirigeants de l'UGTA. Nombre d'entre eux, dont Aïssati Dir, furent arrêtés le 23 mai 1956, s'en est suivi peu de temps après, soit le 30 juin 1956, un attentat à la bombe qui a été perpétré contre le siège de l'UGTA. Le 5 juillet 1956, un appel à la grève nationale des travailleurs sera suivi avec la participation de la population. Le 1er novembre 1956, l'UGTA décide d'une autre grève dans le cadre d'une journée d'unité d'action, suivie au Maroc et en Tunisie. Le 9 novembre 1956, l'imprimé où est édité l'ouvrier algérien à Alger est plastiqué. En 1957, pour donner une dimension internationale à la cause nationale, une grève générale de 6 jours a eu lieu à l'occasion du débat sur l'Algérie à l'ONU. Chers frères, chères sœurs, s'agissant de la nationalisation des hydrocarbures, l'UGTA de Tizi Ouzou estime que la célébration de cet événement sera aussi l'occasion pour les travailleuses et travailleurs algériens de réaffirmer leur attachement indéfectible aux idéaux, symboles, valeurs, principes et conquêtes populaires qui montrent et jusqu'à ce jour et pour l'avenir la voie à suivre pour l'édification d'une Algérie prospère et digne de paix, de sécurité, de stabilité, de progrès économique, social, culturel et de quiétude dans le respect absolu du principe de fidélité à tous les martyrs. Chers frères, chères sœurs, l'UGTA, depuis l'indépendance, a investi massivement le monde du travail pour mobiliser toutes les énergies pour la concrétisation de l'état social. Les masses laborieuses, dont les usines et dont les services ont répondu à l'appel de la nation pour mener la bataille de l'édification avec un engagement sans faille et un dévouement à toute épreuve. Nous avons vu l'émergence d'entités économiques modernes dont les hydrocarbures, les mines, mécaniques, sidérurgiques, électroniques et l'agroalimentaire qui faisaient la fierté du peuple algérien. Chers frères, chères sœurs, il n'est un secret pour personne si nous déclarons aujourd'hui devant vous que sur le plan économique, notre wilaya peine à trouver la place qui lui est sise. En matière d'investissement public, c'est en deçà des attentes de la population qui est en constante croissance. Les entreprises qui, jadis, étaient les fleurons de l'industrie algérienne tombent en discrépitude. Des plans de sauvetage que nous saluons au passage ont certes été opérés pour sauver ces entités, mais cela reste au-dessous des ambitions, des exigences socio-économiques de notre wilaya. La création de nouvelles entités économiques dans notre wilaya, dans les divers secteurs d'activité, est plus que souhaitable. Elle est même urgente, publique ou privée, cela permettra à la création d'emplois pour une jeunesse qui ne rêve que d'un travail digne et un toit sûr et stable. Cette création d'entreprises permet également de canaliser les énergies de tous ces jeunes diplômés dans la construction du pays et stimuler la formation. Créer des entreprises, c'est créer de l'espoir. Chers frères, chères sœurs, l'UGTA n'est pas seulement une organisation syndicale revendicative. C'est un partenaire social à part entière, jaloux de ses acquis socio-professionnels. Arrachés de haute lutte, nous étions par le passé et demeurons une force de proposition. Privilégier le dialogue et la concertation pour la prévention des conflits font partie de nos convictions profondes. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les syndicalistes de la wilaya de Tizi Ouzou regrettent qu'avec le rôle historique et influent que l'UGTA a toujours eu dans les moments les plus difficiles qu'a connu notre cher pays, n'a été associé ou consulté dans l'élaboration du projet du nouveau code du travail. Chers frères, chères sœurs, notre organisation UGTA
suit aussi avec un grand intérêt les décisions prises par M. le Président de la République en direction des travailleurs et des travailleuses et des retraités, en diminuant, en supprimant l'impôt sur le revenu, l'IRG, l'augmentation du salaire et l'instauration de l'allocation chômage pour les jeunes chercheurs d'emploi. Toutes ces mesures courageuses de la part du chef de l'État, nous les saluons car elles représentent une bouffée d'oxygène pour les millions de travailleurs et chômeurs écrasés par la cherté de la vie. Chers frères, chères sœurs, l'UGTA, à travers ses adhérents, ses cadres et sa direction nationale, milite pour la justice sociale et le principe de l'égalité des chances, seul garant pour la paix et la cohésion sociale. L'unité de la nation, dans sa diversité, est un choix éternel. المقولة الشهيرة للشهيد عبد الحق بن حمودة رحمه الله يومها قال نحن نحيا في هذا الوطن وهذا الوطن يحيا فينا ولا ظل ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية إلا بين أحضان هذا الوطن. Merci pour votre patience et de votre attention. Vive l'Algérie, vive l'UGTA, gloire à nos martyrs. Merci.